J'ai la Madame Rose avec moi, qui est diplômée S brouillade aux champignons. Je suis à l'Académie culinaire de cuisine où je participe à un atelier en compagnie de Danielle Mazet-Delpeux, qui est l'ancienne cuisinière du président François Mitterrand et qui a été la source d'inspiration d'un film qui s'intitule Les saveurs du palais. C'est Catherine Fraud qui l'incarne au grand écran. Nous les avons rencontrées toutes les deux hier, soir de première. Mais aujourd'hui, je cuisine sur le tapis rose de Catherine. Oh, qui c'est qui a fait ça? C'est pas moi. C'est le monsieur de l'Académie culinaire. Est-ce qu'il y a des valeurs en cuisine qu'elle vous a montrées? Elle m'a appris beaucoup de sa philosophie de vie, de son caractère, de son courage et de sa détermination à être une sorte d'aventurière d'aujourd'hui, pour moi, avec sa passion de la cuisine. Une couche de saumon. Vous aviez demandé au producteur qu'on vous trouve une actrice qui avait du caractère, et du caractère autant que vous. Est-ce que vous avez été bien servie avec Catherine Fraud? Je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, quand vous chercherez l'actrice pour faire Hortense, pour interpréter Hortense, j'espère que ce ne sera pas une demi-portion. Ben, vous avez été bien servie. Et alors, Étienne Comard, le producteur, m'a dit, ne vous faites pas de soucis, Daniel, nous nous sommes occupés de cet aspect des choses. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entrer à l'Élysée pour un tournage comme celui-là? Ben, c'est assez émouvant. Puis en même temps, je me disais, tiens, ben, c'est comme à la télé. Aux informations, on voit tout le temps l'entrée des voitures. On a refait ça, nous. Vous savez, on est des enfants. Hein. Ouais. Tout à coup, on nous donne le droit d'aller là-bas et d'arriver avec nos voitures. Bah, des dents. C'est fantastique. Pas les par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Lorsque vous avez fait la cuisine pour François Mitterrand, qui était président de la République à l'époque, est-ce que vous vous êtes senti parfois intimidé par lui? Parce que dans le film, vous avez une relation filiale, vous étiez assez proche? Particulièrement intimidée. J'étais plutôt au départ intimidée par la fonction. J'étais persuadée que je faisais pas le poids. Le président a dit... J'en ai assez de la cuisine de chef et je veux une femme de la campagne dans la cuisine. Et la chance, c'est que c'est tombé sur moi. Faites-moi une cuisine simple. Nous, c'est pas normal, on n'a pas d'eau dans notre poêle. On a dû manquer quelque chose. Vous avez fait un tout petit feu? Merci d'être allé chercher de l'aide. Alors, je vous présente mes deux assistants, Stéphane de Radio-Canada et Émilie Perrault du 98.5, sous la supervision de Nathalie Richard. Ça, on ne peut pas l'envoyer après, c'est pas joli. Allez, ben c'est bien, c'est parfait. Bravo. C'est quoi l'erreur que je fais? Eh bien, c'est... Ne pas brasser assez? Une main un peu molle. OK. Non. Les saveurs du palais avec Catherine Fraud, inspirée de la vie de Danielle Mazet-Delpeux, prend l'affiche le 1er mars. Bon cinéma. Et on goûte. Moi, j'ai goûté à l'autre aussi. Oui. Préparé par la chef. Oui. Il y a quelques petites différences. Mais laquelle est la meilleure? On sent la main molle. Il y a de la mollesse. C'est beaucoup moins salé.